Entre Loudanvielle et le lac d'Eau, à 2180 mètres. Donc ce matin, on est parti derrière moi là, au fort en bas à Loudanvielle, à 800. Et là, on vient de se taper 1200 mètres d'un coup. C'est pas terrible. Et là, on va basculer derrière moi dans la vallée du lac d'Eau. Et on bivouaquera ce soir au lac en paix. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Il n'a pas chanté au fond lui là-bas. Quel âge? 30. Fois 2. Fois 2, 60 alors. C'est ça. 60, ma carrière. Pipit. Viens là, Tswinga. La la li la la la. Et des la 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 fin d'étape, ça. Bonjour les gars, ça va ce troisième jour? Bon, on a un joli quand même paysage de bon matin avec le lac d'Eau en bas où on a dormi. Et puis on continue jusque là-haut. Allez, premier col du jour, 2003. Alors en dessous il y a le lac d'Eau, si on le voit. Je vais tourner. Et maintenant on va aller au sommet, au fond derrière moi là-bas, tout au fond là-bas, et on descendra sur le bouchon. Voilà, là il y a l'équipe. Hein.
Et Manu qui doit arriver, avec la tête blanche en dessous. T'as le pied marin quand même, hein, en montagne. On dirait un isard maritime. Bivouac à... Où c'est qu'on est là? Super bannière. À l'ombre des bâtiments. On est bien. Jour 4 depuis Luchon. Ce matin c'est brumeux, c'est un peu plus frais d'ailleurs, ça va mieux qu'hier. Et on va faire on va s'arrêter un peu avant Fosse ce soir en espérant que le temps se lève. Alors, après avoir passé 6 heures dans le brouillard, nous voilà arrivés à 2000 mètres d'altitude, au-dessus de la mer de nuages, avec le versant espagnol, là. L'Aneto au fond, avec son petit glacier. Et puis là, je bascule en France.
Cinquième jour. Objectif, 1000 de descente, 1500 de montée. Avec un beau temps pareil, on va se régaler. Nous quittons le refuge d'Ulz à 1900 mètres d'altitude. L'équipe a l'air chaude et froide. On est prêt. Manu, tu es prêt? Et on va vers ce col et derrière il y a les tandaringues. On est parti. Allez. Sixième jour, on a mangé une bonne omelette au refuge d'Arain là-bas, sur, au côté du lac, de l'étang d'Arain, pardon. Beau temps aujourd'hui. Et là on se monte. Sixième jour, donc on vient de monter de l'étang d'Arain derrière hein, là-bas. Daniel arrive. Hein. Allez Daniel. Et puis là, on va basculer dans la vallée d'Eddy. Voilà au fond, tout en bas, avant de remonter tout en face. De l'autre côté là-bas. Donc c'est le valier au fond, le plus gros sommet où on passera demain. Eh bien, on en chie mais c'est beau. Hein.
Belle descente. Allez, jour 7, départ d'Evy pour aller jusqu'au col d'Arèche dans un premier temps avec les deux couillons de service là qui se font la toilette. Bon, il fait pas très beau, mais au moins on a moins chaud, c'est pas pour ça qu'on ne suit pas. Et oui, le quatrième, il est là, il arrive. Et il est là. Il est là, il en faut un de dernier. Il va s'y mettre à l'eau, oui. Alors aujourd'hui c'est jour blanc, on voit rien. Et là, on cherche cette cabane depuis un moment. Et enfin elle est là. On va pouvoir casser la croûte au sec peut-être. Ouh, j'ai plus de goût. Voilà, c'est là. Voler, voler. Ça s'appelle comment ici?
Voilà, à l'aube du 8e jour, c'est ça, je sais plus. Sous une pluie battante. Je sais pas si on le voit. Mais on démarre hein, pour l'avant-dernière étape. Jour 8, ça s'annonce humide. Après une nuit un peu mouvementée sous la tente, on est tous pieds trempés et on démarre. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas à la pêche? Non, non, je vais pas à la pêche, là. Mais où le soleil? Le soleil et des nanas. La 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 la. Il n'y a pas de soleil et des lamas. On dirait la fée Carabosse qui arrive. Pas très froid maintenant. Là elle nous fait froid la dame. Qu'est-ce qu'on fait? On te pousse.